Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et oui, encore un haul, je ne m'arrête plus, au secours, sortez-moi de là. Je vais peut-être remonter un petit peu la chaux, toc, voilà, parce que sinon on va rien voir encore. J'ai fait une commande donc sur Amazon, j'ai acheté du papier calque de Lefranc et Bourgeois. Vous allez me dire, mais pourquoi du papier calque? Je ne vais pas décalquer mes coloriages. Avis à la personne qui se reconnaîtra dans ces paroles. Gros big up à toi, mon pauvre. Non, en fait, j'ai envie d'essayer de créer certains pochoirs. Parce que regardez, je cherche des pochoirs bien particuliers que je ne trouve pas. Donc, j'ai envie de les créer moi-même. Donc, je me suis dit que j'allais décalquer ce que je veux, l'image que je veux. Donc, je vais imprimer une image, je vais la décalquer, je vais la photocopier ou décalquer sur des manuels que j'ai, voilà. Et essayer de faire du pochoir avec ça. Donc je vais tenter, on verra bien si ça marche ou pas. Donc je me suis pris vraiment un tout petit paquet de 30 pages calque, ça me suffira largement, je vais pas non plus faire 30 pochoirs. Donc en tout cas je vais essayer, et en fonction de ma réussite, je vais mettre un petit peu le mien, ce sera peut-être pas plus mal, je reviendrai vers vous pour vous dire si j'ai réussi ou pas. Donc ça c'est la première chose. Et pendant ma commande craftelier, je me suis prise la Vintage Sepia, donc en Versafine, que j'ai utilisée sur un colo là dernièrement, mais que je ne peux pas vous montrer. Et les Ink Dye de couleur miel, qui normalement fait effet vintage aussi. J'avais envie de couleur vintage, donc je les ai prises. Par contre, où est mon petit doigtier de lequel je peux utiliser? J'en ai peut-être un autre. Ils sont lavés. Hein. Ils gardent les traces, c'est vraiment gênant. C'est pénible dans mon truc, c'est que tout est tellement bien rangé qu'une fois que tu sors un truc, tu ne peux plus le ranger. Vraiment, j'ai mon bureau à refaire entièrement au niveau rangement parce que c'est la catastrophe. Donc, je vais reprendre celui du dernier, de la dernière vidéo. Bon, je pense que c'est à peu près les mêmes là. On est un peu teinte miel en easing, bien imbibé. Hein. Et l'autre. Je vais essayer. Je l'essuie un maximum. Je le désimbibe. Et donc, vous voyez, on est quand même plus foncé. C'est deux teintes vintage un peu... mais on est vraiment plus foncé. Voilà. Mais j'adore. En plus, il y a une espèce d'effet. En plus, là, c'est sur encore du papier un peu crépon. Là, pas crépon, mais un peu papier hop, à laver. Donc, je suis assez contente des teintes. Donc, ça, je les avais prises sur Amazon. Ils sont arrivés hier. Et là, ce matin, ta-ta-ta-ta, un colis. Donc ça, c'est la facture. La petite chouchette, la petite chouchette de craftelier. Et voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pris de beau? J'ai
J'ai pris les pastels à l'écu, campagne au printemps. Donc, c'est les teintes plutôt dans les tons verts. Vous savez que je vous avais déjà présenté. Je vais les sortir pour vous les montrer. J'en avais déjà deux gammes comme ça. Et je les adore. J'ai déjà fait plusieurs fonds avec. Alors, celle-ci, par contre, j'en avais cassé une. J'avais pris le paysage d'hiver et le ciel orageux. Et j'avais fait une superbe affaire une fois sur une foire à tout. J'étais très étonnée de trouver ça sur une foire à tout. Je vous l'avais dit. Et comme je les ai adorés et que j'ai vu que sur Craftelier, ils en vendaient aussi, je me suis pris campagne au printemps dans les tons verts. Alors, leur défaut, c'est qu'elles sont hyper salissantes, hein, dès qu'on les utilise. Mais voyez un peu les teintes. Donc un noir, un marron, mais on peut faire voilà ce genre de couleurs. Et j'adore. Franchement, quand je les ai vus, j'ai dit, oh là là, ces teintes-là me plaisent. Et c'est vrai que les autres se ressemblent quand même. Pour ceux qui n'étaient pas dans ma chaîne à l'époque où j'ai présenté, ça remonte un petit peu. Je vais vous montrer les teintes des autres. Le ciel orageux. Voilà. Comme ça, donc là c'est pas du noir, hein. C'est un espèce de gris, gris bleuté foncé. Voilà, donc ça c'est le ciel orageux. Et le paysage d'hiver, je vais vous le montrer. Voilà. Alors celle-ci, je l'ai cassée en l'appliquant. Mais bon, c'est pas grave, elle fonctionne quand même. J'adore les teintes. Vous voyez, je les ai quand même utilisées. On les voit qu'elles sont usées. Et sur le côté des boîtes, vous avez le numéro des teintes, en fait. Donc, bah pour l'instant, je les laisse parce qu'elles sont tellement, tellement, tellement... poussiéreuse, enfin, pleine de pigments. Que... Ah! Oh, purée, mon Dieu, j'ai failli la faire tomber. Ben alors là, j'en avais une qui était cassée, si elle est tombée. Parce qu'elles ont beau être protégées. Donc voilà, les pastels à l'écu, j'adore. Et je continuerai de temps en temps, dès que je peux m'en prendre, parce que je trouve que elles ont vraiment du pigment qui me plaît. Et quand je les utilise, j'en suis vraiment, vraiment contente. Donc voilà. Ensuite, j'ai craqué pour les pastels à l'huile. Alors pareil, vous savez que j'en avais déjà acheté chez Rougier-Play. De même pour ceux qui... J'avais pris la petite boîte de 6 d'iridescent. Voilà. Que j'utilise quand même assez souvent, comme vous pouvez le voir, pour le gris. Mais moi, ils me font toujours penser à des suppositoires, ces trucs-là. Rien à faire. Chaque fois que je les vois, je pense à des suppositoires. Et là, j'ai pris donc la gamme de 24. Alors, il est indiqué portrait, mais si j'ai bien regardé, il y a quand même pas mal de teintes. De teinteux, pas teintreux. C'était créé pour Pablo Picasso. Ça tombe bien, vu les couleurs que je fais. Ça ressemble plus à du Picasso qui est de l'artiste que du Monet, on va dire. C'est un petit peu du n'importe quoi, des fois. Donc, ça me va très bien. Donc, voilà. Alors, il y a le nuancier sur le côté. Au secours! Donc, on a les couleurs sur le côté. Donc, toujours la petite... Ah, c'est bien ça, le nuancier, pour pouvoir compléter si on a envie. Parce que on peut les acheter à l'unité, hein, ceci. Les pastels solennellier, c'est ça qui est. C'est ce qui est bien, dis donc. Qu'est-ce que je parle à l'envers aujourd'hui encore? Ah, il y en avait 12 des irisés. Ok, moi j'en ai 6. Ok. Donc on va regarder les teintes ensemble.
Oh, bah dis donc, celle-ci, elle a un défaut, elle est plus petite que l'autre, dis donc. Ouais. C'est pas. Il y a carrément limite. C'est pas terrible quand même. Hein. Pour une marque comme Sennelier, au prix qu'on paye, qui en est des plus petites que d'autres. Donc effectivement, il y a pas mal de teintes de peau. Oh, bah celle-ci aussi, elle est plus petite que les autres. Il y en a quelques-unes de plus petites que les autres. Hein. C'est pas. Pourquoi? Bizarre. Si vous savez. Il y a des rouges, des bleus, un autre rouge, un peu différent. Un marron foncé. Ça, c'est quoi? Quel numéro celui-là? Ils sont hyper, hyper, hyper black. Donc, black, oui. Blanc, white. Non mais hé, je parle à l'envers, je vous le dis. Celui-ci, c'est un bleu gris, je pense. Ouais, gris bleuté. Très beau aussi. Gris roux. Tiens, original. Du jaune. Le jasmine de Naples. Celui-là, c'est quoi? C'est un noir? Ouais, un noir. Non mais c'est bien. Et ça c'est quoi? Ça ressemble à un noir, mais ce n'est pas un. Sépia. Ah génial. Sépia, justement. Oh, il est foncé pour du sépia. Oh, il est foncé. Il est très très foncé pour du sépia. Ouais, très très foncé pour du sépia. Terre de sienne. Ouais, bah, il me plaise bien. Et là, je suis en attente. J'attends pour savoir si je valide ou pas une autre boîte de 12 avec des couleurs un peu plus. Comment on appelle ça? Un peu plus habituel en fait, un peu plus primaire. Mais là, dans un premier temps, j'avoue que ça peut me convenir. Parce que, ouais, dans les tons peau, il y a des roses très jolies. J'aime beaucoup celui-ci aussi, les peaux. Flèche ocre. Très beau. Bon, hormis le fait que ça ressemble à des suppositoires, ils ont vraiment des jolies teintes. Donc, je suis contente. Je vais remettre ça. Toc. Donc là, comme d'habitude, le petit calepin de Sennelier. Gustave de son prénom. Donc là, ils vous font la pub pour les pastels à l'écu que j'adore. Je connais pas l'huile fine. Allez, les pastels à l'huile. Additif. L'acrylique Sennelier, pareil, jamais essayé. L'aquarelle Sennelier, jamais essayé. La gouache, jamais essayé. Déjà, même l'encre. On va dire que déjà, je commence à utiliser des médiums un peu plus haut de gamme qu'avant. On va pas non plus se précipiter sur d'autres choses. Déjà, on va essayer de faire des choses bien avec ce que j'ai. Et après, le reste. Bah, moi, j'aime bien. Parce qu'on est, on dirait un peu une gamme un peu pastel, en fait. Donc, ça, plus mon iridescent. Et je vous dis peut-être la gamme de 12 et ça m'ira très bien. Ça, je verrai. Parce que là, ce mois-ci, j'ai un petit peu craqué. Beaucoup, même. De toute façon, c'est simple. Chaque fois que j'ai reçu une mauvaise nouvelle, j'ai acheté. Donc, il faut que j'arrête de recevoir des mauvaises nouvelles. Ensuite, j'ai acheté deux pinceaux fins. Donc, j'ai tenté la marque espagnole de Escoda. Vous voyez, qui est très, très fin et très long. Parce qu'il y a des fois, j'ai l'impression de ne pas réussir à aller dans des petits. Donc je me suis dit, je vais essayer vraiment un fin, 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 avec une longueur de poil. En plus, ils étaient en solde sur Craftelier. Et puis un fin de la marque Dallaire et Rosnay. Je me suis dit, voilà, comme j'aime beaucoup leur papier, je me suis dit, je vais tenter un 10. 0. J'en avais pas des fins comme ça. J'en avais un jour offert par Craftelier, je crois. Où est-ce qu'il est, mon pinceau très fin?
Non, j'avais le Da Vinci que je m'étais acheté. Et il me semblait que... Voilà, j'en avais un de Craftelier. C'était quoi? Ouais, carrément la marque Craftelier, mais qui n'est pas très fin en fait. C'est un 6. J'avais le Da Vinci qui lui est très très fin. C'est un 10-0-0 aussi. Mais il est encore plus fin que l'autre. Il est vraiment vraiment tout fin. Ça va me permettre de connaître différentes marques de pinceaux. Et voir quelles sont celles qui me plaisent. Et Skoda, c'est une marque a priori de Barcelone. Mais c'est rigolo comment le poil est long. Donc, bah, c'est cool quoi. C'est cool. J'avais mes pinceaux aussi de chez Milan que j'avais pris pour l'aquarelle. J'ai celui-là aussi, le Raphaël. Bon, ça, c'est du Action. Ouais, j'ai eu ma période pinceau, je crois. Me semblait que j'en avais un autre, bah, comme ça. Je sais pas où c'est que je l'ai mis. Donc, ça va compléter un peu aussi ma gamme de... Je ne fais pas la même chose hein, avec les pinceaux comme ça qu'avec... Petit gris pur. Je l'ai utilisé, mais ce qui est bien, c'est que, en fait, cela, c'est tellement de la belle qualité que on l'utilise, on le lave et il redevient comme s'il était tout neuf. C'est vraiment très bien. J'avoue que cela, je sais pas où est l'autre, mais celui que j'ai utilisé, il redevient pas. De toute façon, déjà, on part pas de la même. Vous voyez, on n'est pas du tout de la même. Regardez, là, il est tout. Là, c'est vraiment du poil tout doux. Vraiment, on voit quand on fait ça, alors que là, regardez. Pourtant, je ne l'ai pas utilisé encore celui-là. Et les poils sont un peu collés. C'est pas top. Non, pas mon Raphaël. Donc, voilà ma gamme de pinceaux. Enfin, je me retrouve une petite trousse dans mes trousses vides. Je vais mettre ça dans mon gobelet de pinceaux. J'ai vraiment toute marque. On est vraiment de tout, là. Pareil, un Raphaël, normalement, il me semblait que j'en avais acheté un deuxième, mais je ne retrouve pas. Je vous dis qu'il faut que je range mon bazar. J'en ai tellement de partout. C'est infernal. Infernal. Donc voilà. Pinceau, c'est fait. Un Posca 5, parce que j'ai vidé le mien. Même si j'ai racheté les autres, on est quand même sur du gros calibre. Pas du énorme, mais du gros. Et j'ai repris quelques stickles. J'en ai acheté trois, mais alors deux fois celui-ci, que j'adorais et qu'il était en promo. Et un rouge. Alors, je vois pas le nom, par contre. Le sorbet. Le sorbet. Il me paraissait hyper beau à l'écran. Ah ouais, c'est ça. J'adore. Regardez. Franchement, il est top. Et celui-ci, je ne sais plus comment il s'appelait, mais confetti. En fait, le fait qu'il y ait plein de couleurs. J'en avais, mais vous savez, il colle mal. Trop beau. J'en avais un, pas comme ça, pas en tube. Je l'avais en, comment on appelle ça? En petite, en petit pot. Et je trouvais qu'il était trop gras. Et du coup, il s'étalait mal. D'ailleurs, je crois que c'est avec ça que j'avais fait le vomi une fois sur un colo. Espèce de vomi, là. Donc, bah, il me plaisait. Je m'en suis pris en deux fois. Je lui dis, ça m'évitera de le recommander. Et bah, comme ça, ma gamme de stickers continue à se compléter, on va dire. Et je suis contente. Par contre, j'aurais peut-être dû reprendre de l'icicle. C'est pas grave. Ah bah non, j'avais la nouveau, c'est pour ça que j'en ai pas repris. Voilà. Je commence à avoir une gamme de paillettes vraiment...
qui me convient. Donc, ben voilà. Je pense que vous avez tout vu. On va dire que je pense avoir un petit peu craqué beaucoup ce mois-ci. Donc, je vais m'arrêter là pour le craquage. C'est bon, je regardais juste. Ouais, c'est ça, les pinceaux, ils étaient à moins 50%. C'est pour ça que ça valait le coup, parce que des pinceaux, c'est... Et puis les stickers, ils sont souvent à moins cher sur, sur Craftelier, donc c'est ça qui est, bien. Enfin, c'est ce qui est bien. Oh là 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 là, qu'est-ce que je parle mal aujourd'hui. Donc, écoutez, je pense que j'ai à peu près ce à quoi j'avais envie, on va dire. J'ai craqué sur pas mal de nouveaux matériels me concernant. Bien entendu, c'est du matériel qui existe ailleurs, hein, chez d'autres personnes. Mais moi, en fait, c'est du matériel que je n'avais pas. Donc, je suis assez contente de mes achats. Je ne sais pas si je vais vous swatcher les pastels à l'huile, parce que bah, vous le voyez sur toutes les chaînes, donc est-ce un intérêt? Vous avez la chaîne Les Trésors de Mag, Guy, qui, parce que c'est Mag, point apostrophe, pardon, IE, qui a l'énorme boîte avec énormément de teintes qui vous les montre. Et qui vous montre comment les utiliser. Donc, est-ce un intérêt que une autre chaîne vous les montre? Je ne sais pas. Et il n'y a pas qu'elle. Hein, donc, je ne connais pas toutes les chaînes, mais je sais que c'est du matériel qui est assez connu. Donc, pour ma part, à moins que vraiment, 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 vous ayez une envie particulière que je swatch, mais le pastel à l'huile, c'est vrai que je ne trouve pas que c'est un intérêt de swatcher en soi. Les couleurs ressemblent quand même vraiment énormément au nuancier, donc voilà. Je vous montrerai peut-être dans un futur color and chat si j'arrive à faire ce que je veux pour les pochoirs, pardon. Qu'est-ce que j'ai comme mal, j'ai l'impression d'être dans un autre monde, vous savez, j'ai les mots, je les visualise mais j'arrive pas à les sortir, c'est juste impressionnant. C'est terrible hein, quand même. Bon, après, j'ai la tête beaucoup prise par plein de choses, mais quand même, c'est pas normal. Je ne perds pas la mémoire quand même. J'espère pas. Enfin, voilà. Bon, sur ces dernières paroles, j'espère que ce petit haul vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de voir d'autres contenus de ma part. Si vous êtes déjà abonné, n'oubliez pas le petit pouce, comme ça au moins YouTube en fait me permet d'être un peu plus vu et que d'autres personnes puissent connaître ma chaîne. Que vous dire d'autre? Je profite de cette vidéo aussi, il y a longtemps que je vous ai remercié, donc je vais vous remercier. Oh, 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 oh. Ouh là 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 là, mes hérissons et mes paillettes sont tombées. Voilà, tout ça parce que en fait, on m'a offert quelque chose que j'ai collé sur mon pot de fleurs. Et en fait, je ne le voyais plus. Je croyais que mon mari l'avait enlevé. Ma patronne qui est allée en Israël et qui m'avait ramené comment on appelle ça? Un magnète de la Sainte Vierge. Parce que je m'appelle Virginie. Virginie signifie vierge. Et donc, elle me l'a ramené d'Israël quand elle a fait sa visite. Et j'ai un petit pot. Bon, mon aloe vera est mort, mais mon petit pot en fer est toujours là. Et du coup, je l'ai mis dessus. Avec mes petits hérissons. Voilà, voilà, voilà. Et du coup, là, j'étais en train de me dire, mais je ne le vois plus. Mais il était tourné. Donc, je l'ai remis. Que vous dire d'autre? Rien. Si ce n'est que je vous souhaite une bonne matinée, après-midi, soirée.
en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Souvent, mes amis du Québec me regardent pas du tout à la même heure que nous sommes, puisque nous avons un décalage de 6 heures. Donc, je vous fais des gros bisous, des gros becs, parce que je pense très fort à vous, mes amis du Canada, du grand froid. J'espère que le froid va s'arrêter pour vous. Je vous fais des gros gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bisous.